Georges, une nouvelle opération dans votre secteur. Alors, comment ça s'est déroulé? Comme d'habitude, avec beaucoup de travail, beaucoup de préparation, et puis on avance, on fait notre bonhomme de chemin. Maintenant, l'expérience nous permet d'avancer un petit peu mieux, un petit peu plus facilement, mais c'est pas facile parce qu'il faut quand même beaucoup ramer maintenant pour aller chercher des partenaires. C'est pas évident. Quoi. Mais ça va bien. Tout est prêt, tout est casé, et tout ça grâce évidemment à tous les bénévoles. Pareil, ne serait-ce que le groupe qui est derrière moi. Voilà, il y a des gens qui sont là depuis des jours et des jours qui travaillent avec nous à la préparation de cette édition. Alors, combien de roses et combien de motards pour ce week-end? Alors cette année, donc cette édition, nous avons 6600 roses de prêtes. Nous avons le samedi 61 ou 62 machines. Dimanche, on a 54 machines. Voilà, donc on est bien dans ce qu'on attendait en termes de fréquentation de groupes de machines. Le nombre de villages n'a pas changé, vous restez pareil que l'année dernière. Non, le secteur n'a pas changé parce que géographiquement, c'est compliqué de s'étendre dans la mesure où tous les villages qui sont autour dans notre secteur sont pris par d'autres secteurs. Donc ça va être un petit peu compliqué pour aller s'étendre sur d'autres secteurs, à moins qu'on en discute avec d'autres chefs de secteur, qu'on essaie de réorganiser peut-être géographiquement nos secteurs. Mais dans l'immédiat, c'est pas d'actualité. Alors on peut-être rappeler ce que vous avez récolté, ce que vous espérez récolter pour cette année. Moi, je suis pas dans la démarche du chiffre. Évidemment qu'on espère faire mieux. Mais je ne suis pas nous ici on n'est pas dans cette démarche. Nous on fait le plus possible avec le plus de tripes possible de façon à apporter le plus possible à la ligue pour nos patients qui sont en attente de cette aide. Mais si on fait bien, c'est bien. Si on fait mieux, tant mieux. Mais c'est pas dans notre démarche et nous c'est le cœur et les tripes qui sont en avant. Alors, toujours des malades qui viennent avec vous, des anciens malades qui viennent avec vous pendant ce week-end? Oui, bien sûr. On a toujours des gens qui viennent nous accompagner. On a notre petite Laura qui est notre symbole, notre symbole qui est avec nous, mais qui met toutes ses tripes et tout son cœur après ce qu'elle a subi. Et c'est ce que j'ai déjà dit. Si quelqu'un a sa place parmi nous, c'est elle, quoi, parce qu'elle sait de quoi elle parle. Et nous aussi, avec elle, on sait de quoi on parle et pourquoi on est ensemble sur cette manif.